le droit te persécute, tu te dois de persécuter le droit. Mais j'arrive pas à retenir les articles. C'est qu'il te faut peut-être une autre méthode. Répète après moi. 1382. Quoi? 1382. La responsabilité civile. 1382. Quel article magique. 1382. Quel truc fantastique. Ce nombre permet d'agir au tribunal. C'est une base légale, phénoménale. 1382. 1382. C'est pas la responsabilité du fait d'autrui, hein. Autrui? C'est la mère à Pumba, l'autrui, hein. C'est fastoche. Ce numéro réglera tous tes soucis. Et si tu te demandes où ça se trouve, eh bien... C'est dans le code civil belge. C'est dans le code civil belge. Bel organe. Merci. Un jour, Dieu merci, le législateur a compris que quelqu'un devait payer pour le tort qu'il a causé. Et tout dans cette formule, et majuscule virgule. Quelle bénédiction quand on le met dans les conclusions. La notion de faute. À qui la faute? Le lien causal. C'est pas banal. Le dommage subi. T'as un alibi. Et la théorie du... Non, Pumba, on n'embête pas les enfants avec ça. Oh, pardon. 382. Quel article magique. 382. Quel truc fantastique. Ce nombre permet d'agir au tribunal. Oui, plaide, chaton, plaide. C'est une base légale, phénoménale. 382. Bienvenue en bibliothèque de droit. Vous vivez tous les deux ici? Franchement, ça dépend des jours. Magnifique. Tu verras, tu t'habitueras au rayon. J'ai hâte de lire des trucs super intéressants. Alors, autant être franc tout de suite, non. Des bandes dessinées? Non. Des romans policiers? Non. Des magazines? Non. Des livres de recettes? Non. Des contes pour enfants? Non. Des catalogues Ikea? Non. Des comics? Non. Des affiches de propagande marxiste? Non. Ce nombre permet d'agir au tribunal. C'est une base légale, phénoménale. 382. Plouf. 382. Plouf. Treize cent quatre-vingt-deux.